Sénèque et Rachat depuis New York, toujours dans ce beau programme d'entrepreneuriat de leadership. Aujourd'hui, je voudrais, sur les 10 qualités que j'ai vues par rapport aux entrepreneurs, la première et la plus importante, c'est celle-là. Il est impossible d'être entrepreneur sans être un rêveur. Et il est impossible d'être entrepreneur et de rêver petit. Rêver grand, mais surtout rêver. Pourquoi? Parce que c'est ça qui vous fera embarquer dans cette belle aventure où vous allez avoir une excellente équipe. Parce que d'une manière générale, ce que vous vendez, c'est vous vendez un rêve. Le meilleur vendeur au monde n'a jamais vendu un produit. C'est pour ça qu'il est capable de vendre un stylo, une maison, une voiture, un chien. Parce qu'il n'a jamais vendu le produit. Il se vend lui-même. Il vend sa personnalité. Il vend qui il est. Il vend son rêve. Il vend ce en quoi il croit. Et c'est ça. Un entrepreneur, c'est vraiment avoir des rêves grands. Suffisamment grands pour ne pas les perdre de vue en cours de chemin. Rêver aussi. Parce que c'est ça qui vous fera fédérer, qui vous fera avancer et qui vous fera créer une communauté derrière vous. Et après, la chose la plus simple, c'est de laisser la publicité et le marketing faire son job. Venir créer une belle énergie autour de votre produit. C'est tout ce qu'il y a à faire. C'est la question que j'ai posée à beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de CEO, pour leur dire qu'est-ce qui vous a aidé à réussir tous à l'unanimité. M'ont dit, on a beaucoup rêvé et on a rêvé grand dès le début. Et on a laissé la publicité et le marketing faire leur job. Créer une belle énergie autour de mon produit. Voilà, j'espère que vous allez dès aujourd'hui apprendre à rêver grand. D'accord? Parce que vous allez mettre autant d'énergie à rêver petit qu'à rêver grand. Tant qu'à faire, rêver grand, achever grand, réaliser grand. C'était Naïm Rachat depuis New York. Et Allah, si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la et laissez vos commentaires.